Bonjour, bienvenue dans cette 9e session de Pokémon Diamant Snowball Nuzlocke. La dernière fois, j'avais fait les dresseurs des routes 210, 215 et 214 que je n'avais pas encore fait. Deux fois, parce que le jeu a crashé. Et il me reste donc maintenant route 213 et route 212 à faire pour avoir fait tous les dresseurs possibles. Route 212, il y en a pas mal, by the way. Donc ça va pas être une mince affaire, on va dire. Et une fois que tous ces dresseurs seront battus, eh bien, j'aurai champ libre pour m'entraîner. Entraîner toute l'équipe au niveau 30 pour combattre Mélina et aviser ensuite pour le combat contre Lovis. Puisque c'est le seul moment du jeu où je vais pouvoir pratiquement faire deux matchs contre les champions d'arène à la suite. Donc autant en profiter, autant aussi aller chercher ce PP+. C'est toujours bien de... Oh. Il y avait une hyper potion là. Toujours bien de fouiller un petit peu. Ouais. On passe entre la rive la courage et la route 213. Il y a peut-être moyen de faire du tweaking trick là, mais je m'en fiche un peu, pour être honnête. D'accord, toi je t'ai déjà battu. Est-ce que toi je t'ai déjà battu? Oui, ok donc. En fait, j'ai déjà battu tout le monde. Génial. Plus rien par ici, plus rien. Ok. Bon, alors ce pêcheur là, j'adore ce pêcheur là, c'est pas un dresseur. Il existe un hôtel chic dans un endroit chic avec un restaurant chic. Ce restaurant chic est rempli de gens chic qui se considèrent trop chic pour combattre seul. J'adore ce type. Et lui, il a un Léviathan. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de le combattre en fait. Parce que en y repensant... Ce serait peut-être trop. J'ai déjà combattu un Léviathan avec Dobresseur Ambroise, ça suffira, merci. Quoi. Ah oui, et j'ai les dresseurs des arènes aussi que je peux faire. Mais ça, évidemment, ce sera pas tout de suite quand tous les autres seront faits. Mais je pense que je vais faire tous les dresseurs des deux arènes avant. Parce qu'il me semble que c'est possible. Une baie Babiri. Alors, cette femme, elle donne une baie par jour. Et c'est toujours une baie qui affaiblit une attaque super efficace d'un certain type. Mais Babiri, je ne sais pas ce que c'est. Acier, d'accord. Bon, pas le plus utile. Type acier, pas un super type offensif. Vu que c'est super efficace que contre glace et roche. Qui sont eux-mêmes super faibles face à plein d'autres trucs. Notamment combat. Par exemple. Mais bon, c'est mieux que rien, je suppose. Bonjour, homme qui a normalement un Vortant et un Luxio, à moins que ce soit différent dans Diamant et Perle. Ça commence par un Luxio, hein. Un Luxio avec Intimidation ou pas? Dans tous les cas, c'est énervant. Ah non, pas intimidation, ce qui veut dire qu'il a rivalité, ce qui veut dire qu'il me fait plus de dégâts s'il décide de me faire des dégâts, parce qu'évidemment 0 fois 1,2, spoiler, ça fait 0. Et si je suis plus rapide, frappe Atlas. Non, je suis pas plus rapide, ok. J'allais dire ce frappe Atlas fera l'affaire, mais... Alors, niveau évolution, je pense qu'il n'y a plus que... Russia ici qui doit monter niveau 28 pour évoluer en match hopper et ce qui va être ma cogneur directement parce que je vais l'échanger, enfin faire un échange rapide avec
avec une autre version. Non, je ne veux pas corps perdu parce que en fait c'est genre Vendetta, mais c'est 70 de puissance au lieu de 120. Donc voilà, pas très intéressant. Ah, ce n'est pas important, c'est un must-have. Bon, évidemment pas le meilleur endroit pour entraîner un Ponyta. Ce qui est dommage parce qu'il va avoir basiquement que des Pokémon haut sur cette route. Donc sur aucun endroit ne sera le meilleur endroit pour entraîner un Ponyta, mais c'est pas grave. Lucia a perdu de la défense avec le gros yeux du Luxio, donc je vais pas tenter le diable. Oula. Mustabwe. Mustabwe, il va se prendre un coup de boule en pleine tronche. Météor, c'est pas stabé. Voilà, c'était un coup critique. Waouh, très impressionnant. Et vous voyez que, bon, les dresseurs sont niveau 21, donc... C'est pas que je suis en avance sur ce que le jeu pense, quoi que ce soit. Non, les dresseurs sont faits pour être combattus maintenant, je pense, donc... Pas de crainte à ce niveau-là. C'était toxique, ça pourrait être utile, peut-être un jour. Je sais pas si j'ai déjà utilisé la CT toxique dans une version Sinnoh en réalité, mais il faut un début à tout. Et il doit, genre, il doit tellement y avoir d'objets cachés par ici. Mais j'ai pas envie de passer 3 heures à essayer de les trouver. Elle est là, genre, des pois sirènes, tout ça, mais c'est, Hollandia, il fait la fête ici normalement. Hein. Voilà. Eh, poissirène, poissirène. Niveau 19 donc. Ouais. On n'atteint pas le mythique poissirène niveau 28 qui donne 666 points d'exp. Merci, sécurité Windows, protection contre des virus et menaces récapitulatifs Windows Defender. J'avais vraiment besoin que tu fasses un bruit de notification Windows pendant mon stream. Enfin bref. Et voilà. Hollandia, il va attendre le niveau 30 sans trop de problèmes, je pense. Et ouais. Et donc, comme je disais, bah, niveau évolution, Hollandia lui faut une pierre éclat, donc ça c'est pas avant l'île de fer. Donc bon, c'est bien loin. Anungair, elle évolue au niveau 40, donc on s'en fout. Ouais, et Richa, comme j'ai dit, niveau 28. Donc, les trois autres sont évolués à fond. Et vous voyez cette équipe. C'est. Il y en a la moitié sera plus là après Melina, probablement. Sauf si je perds un Pokémon contre Melina, mais je vais essayer de ne pas perdre de Pokémon contre Melina pour ensuite perdre 3 Pokémon, mais c'est le jeu, quoi. On va dire que je joue le jeu, voilà. Bonjour. Oui, je vois que tu pêches, mais je m'en fous, en fait. Je veux effrayer tes poissons, c'est genre. Je vais les gigasensu. Ok, t'as un Léviator, j'ai rien dit. Bon, je vais quand même le gigasensu parce qu'on ne sait jamais, mais... c'est potentiellement risqué. Mais Hollandia est là, il est niveau 27, je crois en lui. Je crois en sa Giga Sensu. Plus que j'ai cru en sa Parasport quand j'ai essayé de paralyser un Léviator il y a déjà de cela plusieurs sessions. Et je ne sais pas si ce Léviator a Mania, donc... Il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas, mais... tant qu'il ne le fait pas, moi ça m'arrange. Et en plus Giga Sensu me fait récupérer des PV, donc ça... C'est plus safe que d'autres choix, on va dire. Ouais, voilà, fait morsure, c'est bien. Parfait, voilà. Rien à craindre de Léviator. Pfff. Facile. Et en plus, ça donne pas mal d'XP. Pas mal d'XP. 963, je pense qu'on peut appeler ça pas mal. C'est 321 x 3. Et avec cette information, je pense que votre vie vient de changer. Très clairement. Et 321, c'est divisé par 3 aussi, ça fait 107. C'était facile. Mais en même temps, ça se voit, hein. Si vous voulez savoir si un nombre est divisible par 3, vous faites la somme de ces chiffres. Et si la somme de ces chiffres est un multiple de 3, c'est que le nombre est divisible par 3. Et ça marche aussi avec 9. Ce qui
qui est logique parce que c'est juste être divisible par 3 deux fois. C'était l'instant arithmétique élémentaire. Barloche. C'est bien, je reste. Moi, ce qui m'inquiète, évidemment, c'est d'éventuels Pokémon au vol. Donc, Goélisme équipant Léviator. Et techniquement, Goélisme m'inquiète plus que Léviator, parce que Léviator, il a pas d'attaque vol. Niveau 28. Pic toxique, ça c'est intéressant. C'est déjà plus que croissance. Enfin, croissance c'est bien, mais j'ai coupe. Donc, ça je. Voilà, hein. Je ne peux pas le retirer. Je vais partir mon stab et je vais partir Parasport. Donc, évidemment, pic toxique et Parasport, ils sont un peu en contradiction. Mais. Déjà, pic toxique ça marche pas sur tout le monde. Et surtout. Leurs utilisations sont pas les mêmes, quoi. Donc, je pense que c'est un atout à avoir en tout cas. En tout cas, ça ralentira fortement le jeu parce que va falloir l'animation du poison à chaque fois. Mais bon, Hollandia n'a plus que 3 gigas sans su, donc il va falloir que quelqu'un d'autre s'occupe de ces Pokémon. De ces Barloches. Je me demande s'il a déjà un Barbicha. Genre, ce serait bizarre parce que Barloche évolue au genre niveau 30, mais bon. On ne sait jamais. Et je vais mettre Dinamarca parce que. Il résiste au type eau. Et j'ai pas envie que ce Barloche me fasse des attaques eau boostées par la pluie. Donc. Il me semble être le meilleur choix. Voilà. Au revoir Barloche. Sans coquille. Ok, je ne m'attendais pas à 100 coquilles, mais c'est très bien. Ok. Je suis en train de réfléchir avec qui je vais m'entraîner. Est-ce que je prends le collègue qui a les Ponitas sur la route 214 ou les petits ravis de la route 210. Les petits ravis c'est moins risqué, je pense. Le problème avec les petits ravis, c'est que genre le dresseur a un petit ravi, mais aussi deux Pokémon qui rapportent pas spécialement beaucoup d'expérience, soit Pikachu Pichu, soit Melo Melofée. Donc au final, ça va peut-être mieux de faire le collect avec 3 Ponyta. Faut que je vérifie. Et voilà, Hollandia a désormais plus de Giga Sensu, donc. Je t'ai vraiment piétiné. Est-ce que je l'ai battu lui? Bon, évidemment. Non, 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 je ne veux pas le Pokédex. Je sais ce qui se passe dans le Pokédex, merci. Ouais, non, Islanda sur une route où il pleut, on va éviter. Oui. Waouh, tu peux localiser les tanières des Pokémon, c'est génial. Ça ne m'intéresse pas. Ça, je voulais juste savoir si je t'avais déjà battu ou pas, manifestement oui. Et par ici, on a quoi? Alors, on a... je ne voulais pas faire ça. Et on a un Pokémon sauvage. Bonjour Pokémon sauvage. Oh, hello Axolotl, désolé de te déranger. En fait, non. Donc, je repasse par là. Parce que je sais pas si j'ai été par ici, en fait. Est-ce qu'il y avait quelque chose ? Un petit champi, waouh, ça valait vraiment le coup.
Et ici, est-ce qu'il y a un objet caché? Non. Donc maintenant, je peux tomber. Et là, à droite, c'est la CT direct toxique, mais il me faut surf. Donc... Hop. Alors ici, il me semble qu'il y a un scientifique. Hein. Qu'il y a un cadabra. Genre, je sais pas si c'est lui, mais je sais qu'il y a un scientifique avec un cadabra avec point glace. Et ça peut faire peur, mais en fait, un cadabra, ça a rien en attaque. Donc point glace, ça fera rien. Dans la génération précédente, dans les trois générations précédentes, ça fait peur un cadabra avec point glace, parce que point glace est type glace et donc est spécial. Mais la quatrième génération ayant décidé de faire les choses correctement. Scientifique Kevin! Coup de boule! Yeah, plus rapide qu'un cadabra, c'est pas merveilleux ça. Au revoir cadabra. Oui, il a fallu que tu me battes. Putain, tu te balades avec un cadabra niveau 21, ce genre. Ouais, ok, les petits dresseurs qui débutent, c'est sûr que tu vas les défoncer, mais... Après, voilà. Bon, ces deux-là, je les avais déjà battus. Il y en a un qui avait deux, genre deux primploufs. C'est un... disons que c'est un nombre de primploufs... trop élevé de 1 par rapport au nombre normal de primploufs, mais... soit. La CT Zénith, qui n'est pas dans une grotte qui porte son nom. Et un objet caché. Et non. Ok, d'accord. On peut toujours rêver. Par contre, il y a Gentleman Zachary qui est là. Je le sais. Et je sais aussi qu'il a un pijako. Et que ce pijako va se prendre une boule rock en pleine face. N'est-ce pas, Gentleman Zachary? En vrai, j'aurais dû mettre... j'aurais pu mettre Monaco parce qu'elle tient la pièce rune. Et si vous avez un jour besoin d'argent dans Diamant Père Platine, vous allez sur cette route et vous recombattez en boucle avec Charge GS, Mondaine Irene et Gentleman Zachary, parce que avec la pièce rune que vous avez parce que vous avez accès au square paisible, et si vous n'avez pas, allez chercher un Pachirizu. Mais c'est vrai que c'est plus facile en platine parce que vous avez le starter fonctionne, mais bref. Voilà. Donc, il me donne 3800, donc avec la pièce rune, c'est déjà 7600, ce qui est énorme. Tout en sachant que, évidemment, plus le jeu progresse et plus les Pokémon, plus certains dresseurs progressent aussi, pas tous, mais certains. Et Gentleman Zachary et Mondaine Irene font partie des dresseurs qui progressent. Alors, ils ont aucun nouveau Pokémon, mais le niveau de leur Pokémon monte petit à petit. Pokémon Feu contre un Lapporeil, j'ai des flashbacks du Vietnam qui me reviennent, mais c'est pas grave. Et... Yes, Flinch. Je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est pas grave. Elle a Flinch, c'est le principal. Yeah, niveau 25, ouais! Danse flamme. Et... c'est nul! Je veux route feu! Donnez-moi route feu! Mademoiselle Sandrine. Ouais, ça sert à rien d'aller voir Monsieur Décorum, il n'y a pas de nouveau Pokémon, c'est après le deck sensationnel. Mais oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que comme Mondaine Irene et Gentleman Zachary augmentent de niveau, ça veut aussi dire que que l'argent qu'ils donnent augmente, parce que je pense que l'argent qu'un dresseur augmente dépend de sa classe de dresseur et du plus haut niveau, de son Pokémon de plus haut niveau. Donc voilà, après le Dex National, je pense qu'on gagne 20 000 par... par combat, ou 16 000 peut-être. Ça dépend, ça change peut-être entre platine et diamant et perle. Mais voilà, c'est genre, c'est très 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 facile. Genre,
vous ne devriez jamais manquer d'argent dans Diamant et Perle une fois que vous avez accès à la route de Santos. Enfin, et donc Platine aussi, ça vaut Platine aussi. Bonjour. Oui, j'ai une boîte peaufine. J'ai même des peaufines épicées que j'ai donné à mon robustesse à mon racaillou que j'ai fait faire un concours robustesse. Ah, pas chez vous. Voilà. Tiens d'ailleurs. Je me pose une question là tout à coup. Bon déjà, est-ce que je vais aller faire cette interview? Mais... Donne-moi la liste. Bonjour, je veux la liste. Des Pokémon. Pikachu, Melofé, Psychoquack, Pachirisu, Petiravi, Lapore et Baudrive, ok. Et Poussifeu, Skitty et Balignon sont autorisés une fois que le deck national est là, je pense. À moins que ce soit qu'une édition de platine. Mais je voulais voir si Melofé était autorisé parce que j'avais un doute. Mais évidemment qu'il est autorisé, Melofé. Il y avait... Parlez-moi de votre promenade avec Lapore. Eh bien, c'est simple, j'avais un but et un but unique en allant au square paisible, c'est évidemment l'argent. Bah c'est vrai, hein, je l'ai juste fait pour récupérer la pièce rune. Donc... Allumez la télé et regardez-la, c'est une très bonne idée. Je vais aller voir s'il y a quelqu'un qui a une télé dans cette ville. Waouh, il y en a des gens. Bonjour. Personne te remarque. Là, c'est... Eh bien, profites-en. Tant que ça dure. Ou alors, si tu veux que les gens te remarquent, fais des vidéos débiles sur TikTok, ça finira par marcher. Je suppose. En vrai, sûrement pas. Comme tous les réseaux sociaux. Oui, la télé. Combat Pokémon en direct. Bonsoir, ça marche bien les combats. C'est l'heure de combat Pokémon en direct. Nous analysons en détail les dresseurs en plein combat. Commençons notre émission Combat Pokémon en direct. Flash Info spécial. Nous voulons apprendre cette incroyable histoire. Riflag Vérité. Non loin de là, Elsa a déniché l'objet Potion. La méthode employée par Elsa pour le découvrir est inconnue. Des témoins rapportent que Elsa a agi discrètement. Il paraît que Elsa a observé les alentours à plusieurs reprises, comme quelqu'un ayant peur d'être vu. Ceci conclut notre flash spécial. Passons à la suite, combat Pokémon en direct. Attrapez-les tous, hein, c'est l'heure d'attraper ce Pokémon. Laissez-moi vous parler de la tentative de capture du dresseur du jour. Le dresseur qui a attiré notre attention par son élégante capture est l'inestimable Elsa. Vous demandez quel Pokémon Elsa a attrapé? Eh bien, rien de moins qu'un Bokonotor. Bien joué Elsa, belle démonstration. Le Pokémon a été cueilli d'une Pokéball lancée de main experte. Le nombre de lancers a été de 1. Elsa est vraiment un grand dresseur. Donc vous voyez les enfants, si vous attrapez juste un bête Kenotor sur la route 201, vous êtes déjà un grand dresseur. Oh, attendez une seconde, il y a eu un rebondissement. On vient d'apprendre que Elsa a donné un surnom au Kenotor. Elle l'a surnommé. Merci. Dynamarker. Yo Elsa, tu es la coolitude personnifiée, t'es tellement cool que j'en frissonne. Écoutez tous, sortez et faites comme Elsa. Elle est tellement cool Elsa, qu'elle en frissonne. C'était même pas voulu, mais c'était sympa. Allez attraper des Pokémon comme si votre vie en dépendait. Non, ne faites pas ça. Distanciation sociale, les gars. Combat Pokémon en direct a besoin de votre aide. Nous cherchons des infos sur tous les combats Pokémon. Nous aimerions que vous fassiez des échanges de données avec vos amis dans la salle Union. Vous pouvez aussi nous abonner à notre Patreon pour seulement 1$ par mois. Et vous aurez les podcasts et les vidéos un jour en avance. Venez en quatrième vitesse et changez de vitesse à la boutique vélo de Radrickshaw. Il y a le dernier cri en matière de vélo. Voilà, si vous ne savez pas que le gérant de la boutique de vélo avait un nom, et ben voilà, il s'appelle Radrickshaw. J'avais oublié moi-même ce petit détail. Voilà. Ce fut l'interlude. Et il y a un Pikachu. C'est cool. Voilà, Pikachu. Mais... Ce qui est encore plus cool, c'est que maintenant je vais aller dans l'arène de Walrock, je vais faire les dresseurs avec Monaco et je vais spammer Cruel et tout va bien se passer. Ayez confiance. Quand quelqu'un vous dit tout va bien se passer, ayez confiance généralement. C'est le moment où quelque chose va. D'absolument horrible va arriver. Donc voilà. Et évidemment, je n'ai pas encore vol, donc il faut que je refasse tout le chemin à pied, mais bon, c'est la vie. Est-ce que je peux éviter toutes les hautes herbes, vu que j'ai battu tous les dresseurs et que j'ai accès à coupe? Je pense que oui.
Serait-ce une route bien faite? Non, c'est pas une route bien faite parce qu'on est obligé de passer dans les herbes sans, si on n'a pas coupé. Mais... Ah, mais non, on est obligé de passer dans les herbes tout court, donc ce n'est pas une route bien faite. 0 sur 10 pour la route 215. Tristesse. En plus, il n'y a pas tellement d'herbes que ça. Est-ce qu'elles ont poussé? Ouais, j'ai 2 B-Wiki. J'ai Wikipédia. Et Wikisionnaire. Et j'ai 2 B-Mago aussi. Et j'ai. Hé hé! C'est comme les hommes politiques, c'est des magos. Ok, d'accord. Je fais de mon mieux, hein. Je ne veux aucun commentaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça avec la voix d'un présentateur d'un très vieux reportage, genre des années 40. Et maintenant, cette invention spectaculaire, la voiture. Bon, dans les années 40, ça existait déjà les voitures, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est plus genre un reportage de guerre ou un truc ainsi. C'est... ...1938, l'Allemagne a annexé l'Autriche. Heureusement, la France a évité la guerre. Des années de paix sont à prévoir pour le reste de l'Europe. Ok, d'accord. C'était... C'était nul. Bref. C'est la grande tristesse quand même pour Lettland. Et voilà, Snowbold. Ça, c'est pas mal aussi. Son été Snowbold. Et donc, oui, je suis à Voilaroc. Je ne savais plus pendant un court instant ce que je comptais faire. La reine de Voilaroc, c'est un peu la perte d'hommage en termes d'arène. Parce que plusieurs arènes de Diamant et Perle ont été redesignées. Et certains ont quelques modifications. Genre, le plus grand redesign, c'est Vestigion Uniopolis Voilaroc. Et Vestigion Uniopolis, c'est pas grave parce que les arènes sont nulles dans Diamant et Perle. Mais celle-ci est sympa, le puzzle est cool. Pas forcément mieux ou moins bien, je pense, que celui de Platine. Mais le puzzle est cool, donc c'est un peu dommage de l'avoir perdu. Par contre, pour les deux autres, c'est pas grave. Et le puzzle de Platine, genre le puzzle exact de l'arène de. Frimapic change aussi entre Diamant et Perle et Platine, et je pense qu'il est beaucoup plus simple dans Platine. Alors là, par contre, ouais, ce médicament est niveau 28, ce qui fait un peu plus peur. Faut l'avouer. Mais ça devrait aller. J'ai battu que Karateka Luca. Nous, on s'aiguise en Olivia et elle en Luca. Donc voilà, donc il faut en fait pousser ces barres pour essayer de naviguer jusqu'à Mélina. Hop. Voilà, par exemple, là, je mets cette barre là parce que le but, c'est que... voilà. Donc, hop, voilà ce qui se passe. Hop, je pousse ça pour que ce soit complètement en dehors de mon chemin parce que je dois repasser hop, à l'intérieur de ces trucs là. Voilà, parce que j'ai besoin de pousser ça. Et il faut que je pousse celle-là aussi, mais vers la droite. Et donc, ça, c'est l'autre côté de la reine qui va s'en occuper. Ouais, s'il joue des points, c'est pour célébrer le combat. Je sais pas si c'est... Tiens, ouais. Enfin, ça dépend quel est le... Je suppose la... Quel est le sens du mot combat qu'il veut célébrer, parce que... Pas forcément quelque chose à célébrer, le combat. Bon, dans... ça dépend de la situation et de qu'est-ce que la personne veut dire par là, quoi. Oh, ce match-upper n'est pas tombé KO. Il a fait gros yeux. Oups, c'était ta seule chance de faire quelque chose de ta vie, match-upper. Enfin, de ta vie. De ce combat, plutôt. Ah, Meditica. Bon, Monaco a techniquement moins de défense, donc c'est potentiellement... voilà, dangereux contre un Medisca qui en plus est type psy et pourrait faire une attaque super efficace, mais évidemment... voilà.
je sais que je dois pas trop craindre Medityka normalement avec Monaco. Il y a aucune chance qu'elle se fasse outspeed par un Medityka, je veux dire, c'est un des Pokémon les plus rapides du jeu. Et Tranchère, non, c'est moins puissant que Cruel et ça utilise la moins bonne stat, donc il y a aucune raison d'avoir Tranchère, à moins que j'ai vraiment vraiment très envie de faire des coups critiques, mais pas à ce point là. Lui il célèbre l'amour, l'amour, l'espoir, le combat et c'est quoi le quatrième, qu'est-ce qu'il faut? Parce que j'ai pas lu le premier j'allais dire le premier matchupper, le premier combattant, enfin karatéka. Qu'est-ce qu'il célébrait? Et donc je sais que le quatuor, le combat, l'amour, l'espoir et quoi d'autre? Le courage peut-être. Ou alors non, ou alors on passe sur Zelda là. Bon, Karateka Saburo qui décide de faire une team de bodybuilder. Il y a pire comme idée. Hello Dragon-chan, bienvenue. Voilà. Ouais, donc 3 match-uppers, encore une team bien diversifiée. Bien intéressante, c'est faux, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, il me reste qu'un dresseur à faire. Ça va, ça va. Je suis en pleine stratégie. J'essaie de déterminer comment arranger les choses. Je suis en train de faire les dresseurs de l'arène, mais pas, je vais pas faire le champion. Parce que je vais faire les dresseurs d'une autre arène, et puis parce que mes règles, les règles de la run sont particulières. Et il y a des match-uppers qui tombent KO, il y a des match-uppers qui tombent pas KO, et je sais pas si c'est juste une question de high roll ou pas, parce que évidemment toutes les attaques ont ne font pas forcément les mêmes dégâts, mais ou s'il y en a qui ont des meilleures stats, mais ça me semblerait bizarre. Je pense que normalement ils ont tous 0 EV et 20 IV partout, je pense, donc et nature neutre. Maintenant, peut-être que c'est pas le cas, je sais pas. Ouais. Bon, vous voyez que des Pokémon type combat, hein, c'est Scarino existe, hein. Scarino est un Pokémon de type combat, il est dans le deck Sinnoh, il est présent. Il pourrait l'être présent dans cette arène, genre dire d'avoir autre chose que 25 milliards de match-uppers, mais non. Genre, à la limite qu'ils mettent pas Riolu, parce que Lucario c'est un peu le Pokémon signature de Melina, ok, mais... Voilà. Et là, je suis en train de remarquer un truc, un petit détail. Si je veux faire que les dresseurs, pourquoi je me fais chier à faire le puzzle? Parce qu'en fait, voilà, j'ai fini. Je m'en vais. C'est tellement l'habitude, évidemment, de faire les champions et tout ça, mais... Voilà. Donc maintenant, il va me rester juste les dresseurs de l'arène de... comment ça fait, Verchamp? Ouais, non, je vais pas faire Melina maintenant. Parce que, comme si j'arrive à faire. Déjà, je suis pas entraîné. Elle est niveau 30, son Lucario est niveau 30. Donc, j'aimerais bien quand même m'entraîner jusque ça, mais surtout. Comme si je réussis à faire un combat contre un champion sans perdre de Pokémon, il y en a 3 qui se font éliminer automatiquement. Mon idée, c'est de faire tous les dresseurs possibles, de faire en sorte que les seuls dresseurs qui me restent à faire, genre, je fais tous les dresseurs possibles, puis j'entraîne mes 6 Pokémon jusqu'au niveau 30, et je combats Melina.
Et après, il me reste que... On va supposer que j'en ai 3 qui sont éliminés. Il me reste 3 Pokémon et je peux décider de ce que je fais avec Lovis là. Et peut-être que je ne rentraîne pas une équipe pour qu'elle se fasse juste éliminer juste après en fait. En fonction des Pokémon niveau 30 qui me restent, ils pourront éventuellement gérer Lovis. Et je suis en train de me dire d'ailleurs, est-ce que je ne mettrai pas Hollandia dans le PC avant le combat contre Mélina? Pour être sûr qu'il soit là pour le combat contre Lovis. Parce que contre Marest, il va être primordial. Et même contre Léviator, il pourrait éventuellement s'en sortir. Mustéflotte, je suis pas sûr parce que Mustéflotte a Crogivre. Et si vous avez joué à Platine et que vous dites qu'il devrait avoir un combat contre le rival ici, non. Dans Diamant et Perle, le combat contre le rival, il est après l'arène de Vestigion. Faut pas oublier qu'on est dans une partie du jeu qui est différente. Enfin, l'ordre est différent puisque Diamant et Perle nous fait passer par Union Police sans faire l'arène. Et puis on fait. Mélina et Lovis sont au même niveau et peuvent être faits basiquement dans le sens qu'on veut. Et puis on retourne à Union Police pour genre une des pires. Une des arènes les plus nulles possibles de la série Pokémon. Non, d'ailleurs. Je sais même plus si. Est-ce que. Je pense qu'on va à Celestia avant d'aller à Union Police. Parce que je pense qu'on dans Diamant et Perle, on va à Celestia, on obtient Surf. On ne peut pas encore l'utiliser hors combat et donc il faut le badge d'Union Police pour. Je pense que c'est comme ça. Dans Platine, c'est différent. En Platine, on fait le badge d'Union Police directement. Et puis, on fait Mélina. Et puis, Lovis. Et c'est dans cet ordre-là. Parce que dans Platine, il n'y a plus de liberté sur ce point-là du jeu. Tant que Mélina n'est pas battue, Lovis rentre pas dans son arène. Alors, du coup, évidemment, ça laisse un peu moins de liberté, un peu moins d'ouverture, mais ça fait un grand bien à la courbe de niveau, je trouve. Parce que du coup, on a Mélina 32 et Lovis, Lovis 37, en plus d'avoir eu Chimera 26 dans Platine. Et ça fait une progression beaucoup plus naturelle, je trouve, que dans Diamant et Perle, où... C'est le seul moment où le jeu fait ça, et ça semble un peu... Je sais pas, c'est toujours je trouve un passage un peu étrange de Diamant et Perle. Mais bon, voilà. Même si je peux voir le truc, à la limite, je suppose que l'idée qu'on peut se dire, c'est... disons que si toute le tour de genre Union Police, Voie la Roque, Verchamp, Union Police... est disponible, ce qui est le cas dans Platine aussi une fois qu'on arrive à Voie la Roque, on peut faire le tour. Si c'est possible de l'avoir, pourquoi obliger l'ordre des arènes quoi? Parce que du coup ça crée une sorte de montée peut-être un peu artificielle entre Mélina et Lovis. Où on fait tous les dresseurs avant Mélina, et puis on fait Mélina qui est niveau 32, et puis bonjour, on te met une arène avec des dresseurs, et puis un champion niveau 37. Mais je n'ai généralement pas trop eu de problème avec ça dans Platine. Pas trop eu cette sensation d'un pic de difficulté. Même l'inverse, je dirais, c'est plus de Diamant et Perle où à chaque fois je suis face à Lovis et je me dis, mais en fait il est un peu nul. Du coup, c'est bon, il est un peu nul aussi parce que je sais pas ce qu'ils ont fait pendant le design de Diamant et Perle. Ils se sont dit, si on mettait un champion haut, on lui donne un Pokémon qui est type haut et on lui donne aucune attaque haut. Voilà, je pense que le Marest de Lovis dans Diamant et Perle n'a aucune attaque haut, ce qui est particulièrement bizarre, hein, faut bien le dire. Hop. Yeah, et Hollandia qui va bientôt passer niveau 30. Azuril, regardez! Regardez bien ce sprite d'un Azuril content parce que vous allez plus le voir. Genre, dans les versions suivantes, c'est fini.
Je pense que dans Platine et Argold Survivor, Azuril est en mode eh. Il est pas trop sûr de lui. Et à partir de la 5G, Azuril il pleure en fait, sur tous ses sprites et ses animations et tout ça. Et c'est un choix très particulier parce que j'ai pas envie de voir un Azuril pleurer quoi, c'est triste. C'est genre, c'est même pas que c'est son gimmick, genre l'armée Léon ou je sais pas quoi là, mais. Enfin bref. Maryl aussi, il a une tronche bizarre dans Platine, sur son sprite de Platine en vrai. Outre la couleur qui est différente de celle de Diamant et Perle. J'ai battu Flotteur Angélique. J'ai obtenu 96 Pokédollars. Waouh, je vais pouvoir me refaire une vie avec ça. Alors, j'étais pas obligé de battre ce type, mais bon, je suis là pour l'expérience. Hein. Quand vous en postulez, hein, on dit toujours que c'est mieux d'avoir de l'expérience. Donc, hein. Évidemment, ça rejoint le dilemme classique du. Si tous les jobs demandent de l'expérience, comment on fait pour avoir de l'expérience en premier lieu? Mais ça, c'est tout. C'est tout un sujet sur lequel je pense je ne suis pas spécialement bien placé pour parler. Bon, allez, 2 HKOs Léviator? Non. Non, tellement pas. Et il a mania, ok, ça c'est un peu plus ennuyeux. Ok, point poison, non, d'accord, ok. Bon, son mania fait 30 de dégâts. Je vais en récupérer quelques PV, voilà. C'est pas grave, il va être confus dans sa confusion. Ça ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il est pas confus, donc il va faire un troisième coup. C'est intéressant de voir du coup quelle est la défense de Hollandia, c'est 39. Et la défense de Dinamarca c'est 40, donc c'est basiquement la même chose, donc il va se prendre 30 PV de dégâts aussi de. Monaco a une meilleure. A une meilleure défense. Allez, tu peux te prendre un mania. Ça devrait aller, voilà. Ouf, easy. Waouh, la fatigue en Léviator confus. Bon, l'avantage c'est que Monaco elle a poison croix. Et elle est plus rapide. Voilà, dégage Léviator. Yes. Je pense qu'il reste un dresseur. Mais c'est probablement un marin. Et il a probablement un Golis. Donc... Ouh, un Barloche. Non, ça par contre, je peux remettre Hollandia. C'est déjà au sol un Barloche. Oui, c'est déjà au sol. C'est parce que des fois il y a des hauts qui évoluent au sol, et puis des fois la base est déjà au sol. Genre Axolotl est déjà au sol, Barloche est déjà au sol. Mais par contre, Sankoki est juste haut. Genre Gobou est juste haut. Ça fait du bien, genre oh j'ai plus beaucoup de PV, genre c'est pas grave, Giga Sansu. Voilà. Je m'excuse pour ce bruitage. Je ne m'excuse pas vraiment. Ces boutons là c'est le piège, ils servent à rien. Comme une mère déchaînée. C'est comme ça que ça marche. Genre c'est presque un slogan. Peggy Hardcore, et ouais. Ok, il a un Sankoki. Je m'attendais à Goélise, mais. Non, mais tant que t'as des trucs qui sont faits face au type plante, moi ça me va. Hein. De toute façon, une fois qu'Hollandia atteint le niveau 30, je le laisse de côté, entre guillemets. Yeah, niveau 30. Bon, et eh bien, qui va se taper un Goélise? Eh bien, c'est simple. Dinamarca. Alors oui, voilà, ça va pas vraiment être la partie du jeu préférée de Ponyta. Genre Lovis clairement pas, et même Melina. Je pense que Ponyta est trop fragile, et genre même si Feu est super efficace contre l'assiette du Lucario, j'ai que Flamèche qui est trop peu puissant.
Encore un sans cookie, mais je peux rester, y a pas de soucis. Marin Hakim. Si on fait une anagramme de Hakim, ça fait Maki, qui était une série dans Spirou avec un lémurien. Voilà, c'était l'information complètement inutile, mais vaut mieux entendre ça que d'être sourd, voilà. C'est une belle expression. Et je vais maintenant pouvoir accéder à l'Ovis que je vais pas faire, évidemment. Mais oui, je suis en train de réfléchir parce que l'Ovis... Je pense pas que je puisse... Je peux pas me fier uniquement à Hollandia. Parce que je suis presque sûr que, en tout cas, j'espère que dans Diamond et Perles, c'est encore comme ça, maintenant peut-être que je confonds avec Platine, son Musteflotte a Crogivre. Et c'est, je pense, trop dangereux de rester contre un Musteflotte qu'avec Crogivre. Donc faudra que je voie un autre truc. Peut-être que Dinamarca pourra s'en sortir. Monaco est fait face à Crogivre aussi, mais elle a l'avantage d'être rapide et d'avoir une bonne attaque. Et d'avoir Poison Croix qui est un très bon stab, donc elle pourrait peut-être mieux s'en sortir. Et puis elle a plus de défense aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise. Pourquoi la deuxième meilleure défense de mon équipe est un Mustanfer, je ne sais pas, mais c'est pas grave. En tout cas, la prochaine fois, tout le monde aura évolué, tout le monde sera niveau 30, Russia sera un Maconnier. Et peut-être que je mettrai Hollandia dans le PC pour éviter qu'il se fasse... qu'il se fasse éliminer, mais je sais pas, ça rentre peut-être dans l'idée de gruger un peu les règles que Perrin a donné, peut-être qu'il ne l'accepterait pas, donc voilà, je vais pas tenter le diable. Sur ce, je vais m'arrêter là, ça aurait été un stream plus court que d'habitude, mais j'ai fait ce que je voulais faire, donc c'est le principal, je pense. La prochaine fois, ben, j'aurai entraîné tout le monde, et je ferai Mélina, et on verra ce que l'élimination... me procurera comme team. Mais en tout cas, je vais y aller maintenant. La rediffusion du stream sera disponible sur YouTube normalement très très vite. Et au revoir tout le monde.